retour pour une nouvelle information sur Clash of Clans. C'est de la nouveauté, c'est la nouvelle mise à jour qui va être vraiment énorme en mois d'octobre. Ça va être génial. Donc on peut voir sur l'affiche. Donc là on voit la coupe en fait de la première ligue. Donc vous aurez 18 ligues, ça sera des guerres de 8 contre 8 et ça jouera sur une semaine entière. Vous pourrez changer les membres de votre clan. Donc ça sera des guerres de 15 contre 15 et ça sera toujours comme ça, ils ont dit. Donc après, à voir s'ils changeront plus tard, mais pour l'instant, ils ont dit que ça sera des guerres de 15 contre 15. Donc là, on est là-dessus. Ils ont parlé de super, super récompenses. Je vais vous en parler juste après, je fais bref, parce que je veux pas que ce soit trop long pour vous non plus. Donc je comprends aussi que c'est assez long des fois, donc voilà. Donc ils ont parlé de ça, ils ont dit que ça allait sortir très prochainement. De toute façon, c'est pour octobre, donc c'est pour là. Ça va sortir soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Mais je pense que ça pourrait sortir pour la mise à jour d'Halloween, parce qu'ils ont parlé de super décors d'Halloween. Donc, on passe à l'étape suivante. Donc là, vous avez les fameux marteaux. C'est ce qu'ils vont sortir dans la prochaine mise à jour. Donc, on peut voir que c'est les fameux marteaux. Donc, on voit qu'il y a plusieurs marteaux. En fait, ce sera des marteaux, par exemple. Si vous avez un marteau de bâtiment, vous n'aurez pas besoin des ressources et vous n'aurez pas besoin d'un livre pour l'améliorer, si vous voulez. Ça l'améliorera tout de suite, en fait. Ça sera directement amélioré. Vous avez un marteau pour un bâtiment, tac, vous allez sur le bâtiment, vous utilisez le marteau, même si vous n'avez pas les ressources, tout, et hop, paf, il est tout de suite amélioré, direct. Donc, vous voyez, ça va vraiment être formidable. On va vraiment avoir de grandes récompenses. Vous pouvez voir que ça sera le shop a changé. Ils sont vraiment en train de sortir quelque chose de ouf. Donc là, on peut vraiment voir quelque chose de ouf. C'est vraiment fantastique. Donc après, là, on voit Darian qui nous parle du nouveau piège. Donc ça va être le nouveau piège du moment. Donc le nouveau piège du moment, ça va être le piège tornade. Donc je ne sais pas du tout comment il va marcher. Je pense qu'il va pousser les gens un peu comme vous voyez le propulseur. Le souffleur. Donc, je ne sais pas trop comment que ça va fonctionner, mais je pense que ça va être un super, super piège. Donc après, je ne sais pas, on verra bien. Et pour la dernière information, ils vont nous rajouter, et c'est officiel, ils vont nous rajouter 25 nouvelles maps de gobelins. Donc, les gens qui attendaient d'avoir un peu plus de campagne, tout ça, c'est vraiment ce que Supercell... essaye de faire. En fait, et Supercell essaye vraiment d'écouter sa communauté. Donc, c'est vraiment splendide. Donc, c'est vraiment bien pour nous, pour la communauté de Clash of Clans. Et je suis vraiment fier de Clash of Clans parce qu'ils avancent vraiment. J'adore Clash of Clans, donc c'est vraiment formidable. Donc, les gens, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous le voulez. Autrement, c'est pas grave. Mais merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.